Salut à tous, allez, on se retrouve pour une nouvelle semaine de voiture électrique sur Le Bon Coin. Donc on part du 7 avril au aujourd'hui 14 avril, donc Inimiv pour commencer, bam, direct. De Twizy, incroyable. Oh putain, c'est quoi ça encore? Une Tesla 85D. Oh, le Citroën Imerari, 28 000 euros, quelle affaire! Ouh là là! Ah là là! Clio RS. C'est tellement électrique! Sans permis électrique, j'imagine. Ah, pas mal celle-là. Kia Sportage. Ioniq électrique. 30 900 euros. Putain. Ils se font plaisir. Hein. Ah, une Yon rouge. Incroyable. Il est mis 3 en Corse. Avec un joli coucher de soleil, visiblement. Qu'est-ce qui s'est passé là? Pour qu'elle soit si peu chère. Étonnant ce prix. Elle a dû avoir un pet. Citroën C0, Opel Corse, Exam électrique. C0. Imerari, 10 000 euros, c'est bien trop cher. Twizy, biplace. Mais oui, il y a une place à l'arrière, quoi. Mia. Tiens, une Mia. Tesla 70. Voiture sans permis. Smart Fortune. Oh, la Zoé, elle a pris cher. Hein. Oh. On va cliquer, allez, on va aller voir. C'est 0 à 9 000 euros. À quand? Je vais regarder un peu ce qu'elle vaut. Oh, une Mia à 12 kW. Oh là là. Quelle folie. Oh, encore une Imiv. Décidément. Deuxième Imiv de la journée. Lui, il glyphe à 16 800, putain. Comment on peut acheter ça à ce prix-là, quoi? Ouais, c'est pas. Ça remonte hein, quand même, les C0 et Ion. Voilà. C'est peut-être à cause de cette prime que le gouvernement a mis aussi, la prime d'occasion. Ça peut jouer sur le prix final, je pense. Parce que globalement, les Zoé par contre, ça va, elles augmentent pas. Elles sont toujours dans des prix assez faibles pour la plupart. Oh, l'Outlander, 30 000 balles quoi. On va cliquer, voir. Ah, un Kia Soul. Blue Summer. Encore une Mia est incroyable, non? C'est la fête aux Mia. App électrique, je vais aller voir. Ouais. Twizy 80. Zoé 2017, pas très cher. J'attends de voir le nombre de kilomètres. Bon, celle-là, j'avais déjà cliqué à choisir le roi. Là. Twizy à 700, à 7 000 euros, non mais n'importe quoi. Là. Pff, oh putain, c'est beau ça. 2 800 euros. C'est zéro. Leaf
Accenta, 10 900 euros à Tarbes. Est-ce que c'est une... Ah, tiens. Ouais, non, c'est une incluse aussi. Ah, quoique, c'est pas précisé, donc... Je suis peut-être pas sûr que ce soit une batterie incluse. Vous me souvenez, une nouvelle ou... Chante, 16 500. D'accord, si tu veux. Kia Soul, Volkswagen e-up. Un peu cher, hein, 33 000 euros quand même. Hérouville. Triss Gironde. Ah, il y a une wallbox fournie avec. Ce qui est plutôt pas mal. Ah, Fiat 500 électrique. Ça, c'est aussi rare. Twizy est modifié à moitié. C0 confort en bleu. Alors, ça, c'est une première. On n'a jamais vu. Des Yong bleus comme ça, oui, mais des C0, non. Ah, intéressant. Oh, celle-là, elle est chère. Hein. 9 500, 35 000 bornes. Même pas en vrai. Ça remonte un peu hein, les prix quand même. Hein. On va dire qu'il y a un an ça allait, mais depuis qu'ils ont foutu la prime là, ils s'en profitent hein, la plupart. Ah, celle-là pour le coup. Niaï. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Avec prolongateur d'autonomie? Non. Leurs gens, ils vont à un truc à essence. Alors là, j'attends de voir aussi parce que ça va être beau, je sens. Ils vendent pas un machin, hein, comment ça s'appelle? Putain. Excellent quoi. Alors là. Ah. Ouais, Zoé, y'en a marre. Trop de Zoé, tue la Zoé quoi. Oh, grand coffre. Ah, une Ioniq. C'est rare. Il n'y a pas de. Par contre, livre 2, il n'y en a pas. Hein. Ça, c'est incroyable. Putain, il y avait 14 pages. Oh, beaucoup d'annonces hein, cette semaine. Hein. Beaucoup d'annonces. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour là. Je vérifie une dernière fois. Ah, celle-là, pourquoi pas. Ouais. 2005 à Caen. Ok, bon, c'est parti. Comment c'est avec la image alors? Ah, 6 600. Ah, c'est pas mal, hein. 12 400 euros. C'est marqué quoi derrière là? MIV. IMIV. Ah, d'accord. Putain, c'est bizarre leur logo. Ouais. Bah écoutez, les IMI c'est assez rare donc elle me paraît pas trop kilométrée donc pourquoi pas toujours se garantir en plus. Ou ouais, alors ça, sans permis 3 000 euros, avec permis, ouais, 5 000. Eh ben, ça c'est des Twizy ça. Tu fais un prix pour les deux? Ouais, je laisse. Alors ça par contre, 200 km d'autonomie, sérieux? Comment c'est possible ce machin? Batterie au lithium, visiblement. C'est encore des trucs de Chine, ça. Il a mis un site, je crois. Juste aller vite fait. Si ça fonctionne. E-cars. Ah, oh, c'est beau. Putain, c'est cher là. Attends, avec permis 12 900. Oh, mon Dieu. Ça va 80, c'est un peu de la merde quand même. Bon, je. Putain, ils mettent du temps leur site à se charger là. La Tesla là.
64 000. C'est un poil cher, je trouve. Et ce qui est l'autopilote, j'ai pas l'impression. Ah si, autopilote, ok. Ouais, ah oui, c'est marqué dans le titre. Ouais, je laisse. Alors. Alors, water capacité 10 kWh de batterie, lithium GTI garantie 2 ans. Ouais, on sait pas trop lithium quoi, mais. Délai de charge 4 à 6 heures. Ouais, ça me paraît logique vu le 10 kWh. Autonomie 150 km à 60 km/h. Ah ouais, bah ça va. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est sûr que. C'est un peu spécial comme truc quand même. Puis un peu cher, surtout avec deux places. Mais bon, après, s'il y en a qui veulent, hein, ça c'est fait. Renault Zoé 7500 €, ouais, il n'y a pas beaucoup de kilomètres, putain. Ouais, je la laisse. 22 000 pour 7500. Étonnant. Bon, la Hiab, je la laisse aussi, elle est pas mal, sans permis. Alors. Autonomie 100 km, c'est tout. 4 000 €? Sérieux? Ah, bah là, je la garde aussi parce que franchement. Ouais, mais 2013, elle est un peu vieille aussi. Ah, c'est pour ça qu'elle a que 100 km d'autonomie. Ah, bah écoutez, hein, pourquoi pas. Hein. Je la laisse, franchement. Ils la vendent 4 000, je trouve ça assez raisonnable. Et la Smart là, 1100 km. Ouais, batterie incluse. Bah, c'est pas mal aussi pour le coup. Ouais, je laisse. Ioniq, 30 000 €. C'est Mercedes qui vend ça. Qu'est-ce qu'ils foutent avec une Ioniq, eux? Je suis sûr le mec qui a acheté la Ioniq a pris une Mercedes, du coup ils lui ont repris sa Ioniq. La blague. Mercedes qui vend une Ioniq, quoi. Huh. Ah ouais, c'est assez drôle quand même. Bon bah écoutez. Le problème c'est qu'ils la vendent un poil cher, je trouve. J'espère qu'ils l'ont bien repris ou là. Peugeot Yon électrique, 39 000 km. Eh bien. Ouais, ça passe. En rouge en plus. Ouais, j'aime pas trop personnellement, mais bon, si ça peut vous plaire aux gens. En reprise du LOA. Wow, ça. Non. C'est pas top ça. Qu'est-ce qu'elle a encore cette. Ah ouais, oh là là. Elle s'est faite mal la Zoé là. Ah ouais. Ah, c'est pas énorme hein, les dégâts, mais bon. C'est quand même assez relou quoi. En plus, c'est. Non, mais c'est. Ah non, c'est pas la nouvelle. Hein. J'ai eu peur quand même. Ah, il est vendu sans batterie. Non, mais sérieux. Ah oui, par contre, non. Citroën, 8 900 €. Non, non, c'est plus cher que ce que j'ai payé moi, hein, par rapport au kilomètre. Problème batterie, déséquilibre roulante. Oh là là. Ah oui, d'accord. Aïe, la mienne a un petit souci d'autonomie. 19 km. Eh bien, non. Oh, oh non, mais 168 000. 55 000 €. Mais il est fou, à flou, il est fou. Non, non, non. Oh putain. Non, mais l'autre, il vend ça 5 000 balles, quoi. Choc avant sur roue gauche. Aucun arbre de sortie. Sérieux, comment c'est possible? Il a tapé fort quand même. Oh! Oh là là, la gueule. Bon. Bon, celle-là, par contre, ouais, c'est un peu dans les prix que j'ai payé la mienne, quoi. 9 700. Mais sauf qu'à celle-là, elle est 2016 quand même. Donc elle a quand même une certaine garantie. Bon, pourquoi pas, ouais. Allez. Dix kilomètres avec une charge, ouais.
Ouais, bah ça me paraît correct, le 12 kW. C'est quoi qui a marqué? Transport à la demande. D'accord. Pourquoi pas Après, c'est quand même un risque d'acheter ça, mais bon. Limite, là, 26 000 bornes, elle est un peu plus que l'autre. Ça, c'est une série spéciale là, avec le truc bleu, le diesel bleu. Là. Par contre, j'aime pas les jantes sur les Emmy. Ils sont peut-être aérodynamiques, mais bon. Ah, ouais, allez, je vais la laisser aussi. Celle-ci, mais ouais, non, par contre, ça, c'est le prix que j'ai payé exactement, franchement, là. C'est vraiment là, ce que j'ai payé moi en fait avec l'année et tout. Et le nombre de kilométrages, pareil. Hein. Franchement, non. C'est plus d'actualité ce prix-là. Celle-là est pas mal. Allez, on la garde. C'est une blanche aussi. Oh, il a foutu un truc en carton sur la plaque. Ok. Celle-là pour le coup Ah oui voilà. Ah ouais. Il a déduit le prix le gars en fait. D'accord. Putain ouais, alors là, c'est encore mieux là. 5 900. C'est chaud. Donc ouais. 1 euro de batterie offerte en plus. Je sais même pas si c'est vraiment 1 € par mois ou offert carrément. Enfin bon, ça change pas grand-chose, mais. Ouais, pour le coup, celle-là, je la garde. Outlander. Bon, ouais, je vais essayer parce que celle-là, c'est pareil, il y en a vraiment très rarement des Outlander. Celle-ci est pas mal. Oh putain, encore 1 000, 8 000 km. C'est une batterie 8 kW par contre. Hein. Oui, aïe, aïe. Ça va pas loin ça. Autonomie 80. Je charge à 80%, c'est tout. Putain. Elle a mangé. Petit monospace. Il appelle ça un monospace, lui. Ouais. Bon, elle est un peu chère pour le coup. 8 kW quand même. C'est un peu limité, hein. Celle-là neuve. Donc ok. Putain, il y en a plein d'annonces. Vent twist. Je vends mon twist. Ah putain. Non mais rien que pour ça j'enlève. Celle-là pour le coup est très intéressante aussi. 4 km seulement. En plus un joli bleu. Mais écoutez, Bar-le-Duc. Où ça Bar-le-Duc déjà? C'est ouais vers 3 et tout. Non, si. Putain. Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Quelle horreur. 8 batteries de 6 volts. Quelle merde c'est ça? Oh là là. Ça dégage quoi. Citroën e-Touch, c'est quoi ça? 7 000 euros, 27 000 km. Ouais, il y a peut-être moyen de négocier, mais bon, je trouve ça un poil cher. Ça, on sait pas s'il faut louer la batterie ou pas. De toute façon, elle a déjà 70 000 bornes, donc la batterie doit être bien entamée. Sachant que c'est une Leaf. Batterie incluse, 46 000. Elle en a déjà un peu moins celle-là. 2012 hein, quand même. Hein. Donc c'est aussi une 24. Putain, ouais, non, c'est mort. Alors celle-là, 2015. Oh non, elle est trop chère. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce prix-là? Alors celle-là, oui, il offre la Wallbox. Ah, elle n'est pas comprise dans le prix. Ah. Sérieux? Moteur changé? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là?
Ah, Renault, hein, toujours aussi fiable. Hein. Eh bien, pour la peine, je l'enlève. Fiat 500. 55 000 bornes. Ah oui, quand même. Ah ouais, il y a un warfare d'immatriculation. Bon, alors là, par contre, pour le coup, c'est de l'import, mais bon, ok, elle est rare cette voiture, mais bon, là, quand même un certain prix, là. 55 000 km, non. Pour une Fiat 500 électrique. Alors ça, c'est vraiment surprenant, un Citroën bleu, là, comme ça. Bleu électrique, hein, comme la Yon qu'on m'avait prêté, du coup. C'est assez étonnant. Je n'en ai jamais vu. Alors, du coup, ouais, elle est un peu chère, hein, pour le coup, mise en circulation. Ah ouais, c'est parce qu'elle est nouvelle, en fait. Donc, nouvelle gamme, hein, je pense que cette année, ils vont en sortir plein des bleus comme ça. Eh bien, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Mais par contre, l'un peu cher, on va pas se mentir. Oh, 99 000! 6 900 euros, mais il doute de rien, lui. Ouais, oui, mais je l'avais déjà vu. Ah, alors le fameux prolongateur d'énergie. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Groupe électrogène. Oh, non. Il a osé. Ah, les cons. Il n'y a que deux places derrière. Certains, il y en a trois, c'est étonnant. Bon, bah écoutez, l'autre avec son prolongateur là. Mais on sait pas quelle capacité la batterie a. Ah, c'est dommage. Bon, et dans le doute, je vais l'essayer parce que c'est quand même assez drôle. Blue Car. Elle est vraiment bradée. Et bridée aussi, du coup. Je pense. Ouais, franchement, elle est pas chère. Après, il y a toujours ce problème de vidage d'énergie tout le temps, mais bon. C'est vrai qu'elle est pas chère, faut avouer, 3 700 euros. Twizy, grand coffre. Il n'y a pas des photos là. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Ouais, vite fait quoi. Et du coup, ça, il n'y a plus qu'une place quoi. Non, bah, j'enlève. Ah, maintenant, après Mercedes, c'est Opel apparemment qui vend une Ioniq. Ah, bah non, Hyundai. Pourquoi c'est marqué Opel alors? Ah, c'est bizarre ça. Bon, bref, je vais la laisser aussi avec 5 000 bornes. Lyon, octobre. 12 000 bornes. Voilà, un peu cher. Hein. Tesla. J'en ai. Bon, bah écoutez, je vais finaliser cette vidéo parce que là on a fini, hein, je pense. De toute façon, on n'a pas d'autres occasions a priori. Voilà. Renault Master, mais non, c'est un essence, dommage. J'aurais aimé que ce soit un électrique. Putain, j'en ai plein, j'en ai au moins 25 là. Donc j'ai ça, j'ai ça. Peut-être faire un peu de tri quand même. Ouais, celle-là, j'enlève, elle a l'air plus chère. J'ai ça. J'ai ça. Sans permis, je la laisse. Ça aussi, parce que je trouve qu'elle est intéressante. Celle-là aussi. Celle-là, ça passe. Celle-là aussi. Celle-là aussi. Merde. Ça va aussi. Pas mal d'annonces en même temps, intéressantes, hein. Ouais, ok, bon bah écoutez. Ouais, des annonces plutôt intéressantes, hein, franchement, celle-là, elle est où? Bar le Duc, ah oui, c'est vrai. Surtout la Zoé, ouais, intéressante là. C'est zéro. Là, alors ça c'est fort quand même. La Boucar, ouais, je laisse. Bon allez. J'aime pas spécialement, mais bon, elle est pas chère. Et la Unique pour finir. Voilà, sur ce, bon week-end à vous. Ciao ciao!